Et cette fille, elle a envie de rompre avec son copain et elle dit à sa pote, meuf, il faut vraiment que je trouve une excuse pour quitter mon mec. Faut vraiment pas qu'il sache que je suis lesbienne et que je suis amoureuse de toi, sinon il va péter un câble. Ah ouais, c'est chaud. Est-ce que t'aurais une idée? Sauf qu'elle s'est trompée de destinataire, regardez qui lui répond. Léa, c'est moi là, ton copain. Tu joues à quoi au juste? Oh là là, oh là. T'as fait exprès de m'envoyer ce message à vous. Elle fait, oh mince, je suis trop bête. Non, non, je te jure, j'ai pas voulu l'envoyer à toi. Oh, c'est la pire gaffe de ma vie, je suis désolée. Bon, bah au moins maintenant tu connais la vérité. Voilà, j'aime les filles. Il fait, non mais t'as vraiment honte de rien de me l'annoncer comme ça par message en faisant croire à une erreur de destinataire. Eh, tu dégoûtes meuf, il me fait grave de la peine, ça doit être affreux de se faire larguer de cette façon. Allez, salut les potos, c'est The Frag HD, j'espère que vous pétez la forme les gens. Pour ma part, je vais super bien, je suis vraiment très grande forme. Par contre, ils sont tendus ces épisodes, ils partent littéralement en couille. Vous l'avez vu au titre, c'est les pires SMS envoyés aux mauvaises personnes. Dans la vie, il y a beaucoup de gens qui ont des secrets et qui veulent absolument pas dire certaines choses à telle ou telle personne. Et bah quand vous vous trompez de contact et de destinataire, ça donne des situations horribles et très délicates. Tu vas déclarer tes sentiments à une fille, mais tu t'es trompé de personne. Et elle, ça va lui faire une petite fausse joie. Ça rend pas cool. En tout cas, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, à laisser un gros pouce bleu. Et les amis, dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous êtes déjà fail en envoyant un SMS? N'hésitez pas à me le marquer. Et si vous êtes prêts, c'est parti. Oh non, là je suis tellement gêné. Ce gars il envoie à sa petite copine, comment j'ai envie de toi ma belle, retirer ta petite culotte sur ton lit. Il est très à l'aise hein. Tu me manques grave, je t'aime tellement. On se voit quand je rentre, bisous. Mais regardez qui va recevoir ce texto. Attends, tu voulais pas envoyer ce message à ma sœur plutôt? Quoi? Parce que c'est chaud là. Tu m'envoies un message de cul alors qu'étais en couple avec ma grande sœur, mec. Non, j'y crois pas. Il fait merde, Léane. Oh, le trou du cul que je suis, bordel de merde. Bien sûr que c'était pour ta sœur. En fait, j'ai renommé ton contact petite sœur de ma chérie. Du coup, quand j'ai cliqué sur chérie dans mes contacts, ça m'a mis le tien et j'ai pas revérifié en envoyant le texto. C'est vraiment la honte. Il a chauffé la petite sœur de sa meuf par message. Il fait, est-ce que tu peux éviter d'en parler à ta sœur s'il te plaît? Elle va se faire des films et me prendre la tête alors que c'est une simple erreur de ma part. Tu me connais et tu sais très bien que je suis fidèle hein. Mais comme elle est grave jalouse, bref, ah ouais, entre sœurs, garder des secrets comme ça, c'est tendu. Elle fait, bon tu sais quoi, je vais te faire confiance, mais j'espère vraiment que t'as pas envoyé ce message pour me draguer et voir ensuite ma réaction. Ah ouais, est-ce qu'il est honnête? En plus, ils sont bizarres tes SMS, tu lui envoies des trucs d'acteurs porno ou quoi MDR? Il fait, non mais tu sais que je suis vraiment amoureux d'elle, donc bien sûr que c'est une erreur de ma part, un gros fail. Eh, par contre, ça te regarde pas trop les messages coquins que je lui envoie. On est en couple depuis plusieurs mois, tu sais, on n'a pas 15 ans. Bref, de toute façon, j'ai pas à me justifier sur ça avec toi, MDR. Elle fait, ok. Par contre, je t'explique, hein, si tu fais le connard ou qu'elle est triste à cause de toi un jour, je lui montre directement le SMS que tu m'envoyais et elle te quittera, je te préviens. Allez, salut. Ah ouais, elle te met des petits coups de pression, des petites menaces comme ça. Bon, en même temps, entre sœurs, elles se défendent. Oh, je serais tellement mal à ta place, gros. Oh, vous allez voir ce gars comment il va se faire déchirer la gueule. Il envoie à sa petite copine, je viens d'arriver en bas de chez toi, je t'attends, est-ce que t'es prête? Ah, ça va être une soirée incroyable, ma belle. Mais regardez qui lui répond. Gros connard, tu joues à quoi toi? Je vais appeler la police si tu dégages pas au plus vite. T'es mon putain d'ex. Quoi? T'as pas compris que c'était terminé entre nous? Sale connard infidèle. Oh, j'y crois pas. Il a envoyé un message à son ex au lieu de le faire à sa copine actuelle. Il fait, wesh, salut Manon, mais je me suis trompé de contact par erreur, je suis vraiment désolé. En fait, c'était à ma meuf actuelle que je voulais envoyer ce texto, pas à toi PTDR. Non mais t'inquiète hein, j'ai très bien compris que c'était fini entre nous hein. Elle lui fait, ouais c'est ça gros mytho, tu m'espionnes et tu m'aimes encore hein, c'est ça? T'es une grosse merde, je veux plus jamais te voir, donc dégage de chez moi sale taré psychopathe et bloque mon numéro de téléphone. Elle te déteste vraiment, je sais pas ce que tu lui as fait frérot, mais c'est chaud hein. Il fait, mais calme toi je t'ai dit que j'ai fait une erreur de destinataire, ce message était pas pour toi mais pour ma nouvelle copine. Écoute, si t'as oublié depuis longtemps, j'en ai plus rien à faire de toi. Donc détends-toi, je suis pas devant ton domicile, t'inquiète. Elle fait, mais va te faire foutre, en fait me raconte pas ta vie. Comment ça m'a tendu de recevoir un message de toi? T'as bousillé mon avenir, mon cœur, tous mes sentiments, pauvre merde que t'es. Oh, c'est chaud. Maintenant, tu sais quoi, bloque mon numéro tout de suite. Eh, j'aurais dû faire la même de mon côté. Il fait, ouais, c'est bon, j'ai compris, désolé pour le dérangement et l'erreur que j'ai faite. Vas-y, bonne continuation. Oh là là, il a été infidèle, il a trompé son ex, ils se sont séparés, et au lieu d'envoyer un message à sa nouvelle meuf, il renvoie un texto à son ex pour lui dire qu'il est devant son domicile et sa maison, quoi. Tu m'étonnes qu'elle soit pas contente.
Oh non, regardez le SMS qu'il envoie à son pote. Il dit, mec, j'ai un bouton sur le trou de balle. Je viens de sortir de chez le médecin. C'est une infection. Ah, super les détails. Je vais bien garder le secret avec ma meuf. Sinon, elle va clairement me larguer MDR. Bon, vu qu'on est meilleurs potes, je te balance le truc. Mais tu la fermes, hein, surtout. Sauf que ce débile, à qui il aurait pu l'envoyer? Bah sa petite copine, qui lui dit « Bébé, tu viens de m'envoyer le SMS là !» Du coup, je suis au courant. Mais attends, c'est pas contagieux, rassure-moi. Attends, c'est pour ça que t'arrêtais pas de boiter en marchant dans la rue. Elle l'affiche de ouf. Il fait « Mon cœur! Oh mon cœur! Oh MDR, c'était pas pour toi le message. C'était pour Thibaut. Oh non, c'est horrible, bordel. Non, non, t'inquiète, y a rien de contagieux. En fait, c'est juste une irritation de l'anus à force de me gratter les fesses. Ah mais il est dégueulasse, mais comment tu peux dire ça, ta petite copine? Tu vas la faire gerber. Elle fait « Mais Berk, dis pas ça, toi, c'est dégueulasse. » Eh, écoute, je vais pas te larguer pour ça, mais juste, soigne-toi bien, s'il te plaît. Elle est pas sereine, quand même, hein. J'aurais tellement préféré ne jamais recevoir ce message. J'ai une sale image dans la tête, maintenant. Tu m'étonnes. Il fait, oh, ça va, ça peut arriver à tout le monde. Te moque pas, mon cœur, s'il te plaît. Bah oui, moi aussi, j'aurais préféré que tu le saches jamais, mais en fait, je me suis foiré dans l'envoi de mon SMS. Je suis trop un bolos, putain. Je vais mettre de la crème sur mon bouton dans l'anus. T'inquiète, il va finir par partir. Mais tais-toi, mec. Pourquoi il s'enfonce comme ça? Elle fait, non, mais viens, on parle d'autre chose, s'il te plaît. C'est un tue-l'amour, ton truc, là. Bon, sinon, t'as fait quoi aujourd'hui, bébé? Ah ouais, changer de sujet. Il fait, non, mais j'ai rien fait, mon cœur. Je suis juste allé chez le médecin pour mon bouton sur le trou de balle, je t'ai dit. Il continue. Il s'arrête jamais. Je vais aller m'enterrer dans mon lit. J'ai vraiment trop honte de te l'avoir dit. Il a pas fait exprès, hein, ça peut arriver, mais. Là, franchement, c'est un gros fail. Elle fait, bah super, notre discussion part complètement en couille, là. Bon, je te laisse, bébé. C'est quoi, je vais m'évacuer l'esprit en allant boire un verre avec mes copines. Gros bisous. Frérot, en 3 SMS, t'as fait gerber et dégoûter ta meuf à tout jamais. Tu peux avoir un bouton, hein, entre les fesses. Ça, on va pas juger. Mais par contre, rentrer autant dans les détails avec ta meuf, je suis pas sûr que ça soit la bonne idée. Oh, vous allez voir que ce gars aussi, il s'est mis dans une belle merde. Il dit à un de ses potes, yo mec, c'est bon, j'ai enfin trouvé de la thune pour acheter de l'alcool ce soir. Merci papa, maman, MDR, je viens de leur voler 20 euros. Ah ouais, c'est pas cool. Du coup, j'ai dit à mes parents que ce soir, j'allais travailler chez toi, mon gars, donc pas de gaffe si jamais ils t'envoient un SMS pour vérifier. On va se déchirer la gueule et baiser plein de meufs. Sauf que ce gros con, à qui il a envoyé le texto? À son père. Qui fait, alors je savais que mon fils était pas très intelligent, mais alors soit là t'es vraiment très très con, ou c'est juste une blague. T'es au courant que c'est papa là qui t'envoie le texto? Je veux des explications tout de suite, Kylian. Il fait, papa, oh là là, mais bien sûr que c'est une vanne, oh là là. Alors là il essaie de sortir de la merde, hein. Mais oui, j'ai un devoir important à finir pour demain, et je vais chez mon pote pour travailler avec lui, relax. Mais est-ce que le daron il va y croire à ce mensonge? Pas du tout. Il fait, non mais attends, en plus tu me prends pour un abruti, c'est ça? T'as 2 minutes pour me dire la vérité, sinon quand je rentre à la maison, je t'explose ta petite gueule. Il a l'air assez violent, hein. Tu nous voles de l'argent, tu mens, tu es alcoolique et tu parles mal des femmes. Oh, moi je vais rapidement t'apprendre le respect. Alors là il fait, non mais c'est un malentendu papa. Puis finalement il se dit, oh tu sais quoi, je vais accoucher. Il fait, puis merde, tu vas finir par apprendre la vérité de toute façon, alors je vais tout te balancer maintenant. Oui, j'ai fait une connerie, je suis désolé papa. En fait, j'ai pas de thune, donc mon seul moyen pour aller à ma soirée, c'était de vous voler un peu d'argent. J'avoue que c'est pas très malin de ma part. Et en gros, ma crush organise une fête chez elle ce soir, je dois absolument aller la draguer. Ah ouais, il balance tous les bails. Écoute, tu veux jamais que je sorte, donc j'ai pas le choix. Je dois te mytho papa. Mais là, j'avoue que j'ai fait une belle erreur, j'ai cliqué sur ton contact au lieu de celui de mon pote. Enfin, sans faire exprès. Du coup, c'est toi qui as finalement reçu le message. Ouais, là, c'est très bête. Alors le papa, il fait, effectivement, j'avais raison. Tu es vraiment très con comme gamin. Après, j'apprécie que t'aies dit la vérité, mais en aucun cas, tu es pardonné. Si je refuse que tu ailles en soirée, c'est pour la simple raison que tu es encore mineur. Et je ne te fais pas du tout confiance. Et à 17 ans, boire de l'alcool, même à n'importe quel âge, c'est vraiment mauvais pour ta santé. On est d'accord. Puis mentir et nous voler de l'argent, je ne pensais pas que tu pourrais faire une chose pareille. Enfin, c'est super grave. Donc, tu sais quoi, je rentre dans 1 heure du travail. Je confisque ton téléphone portable pour 1 mois et tu ne sortiras pas ce soir. Ouh, ça fait mal. Il fallait réfléchir à 2 fois avant de faire des conneries. J'ai également prévenu ta mère, elle est vraiment furieuse. Alors lui, il est dégoûté. Il va péter un câble, il fait, mais c'est de la dictature avec vous, putain. À 17 ans, il y a plein de mes potes qui vont en soirée et s'amusent. Je suis désolé, on n'est plus des gosses de merde. Genre, t'avais jamais bu une goutte d'alcool à mon âge, papa. Il fait, ferme-la, petit con. Quand tu seras majeur dans 3 mois, on en reparlera. Il te calme. En attendant, tu es sous notre responsabilité, donc le débat est clos. C'est pas toi qui vas faire ta loi ici, je te préviens. Alors là, il ose plus envoyer de message à son père, ce qui est tout à fait normal. Il s'est fait déchirer la mâchoire. J'avoue qu'il est assez strict, ton daron, hein.
Là, c'est un des scénarios les plus terribles. Cette fille, elle envoie à son crush « Coucou, c'est bon, j'ai fait mon choix, je veux bien me mettre en couple avec toi. J'espère que tu en as toujours envie, bisous. » Alors le gars lui répond « Oh Célia, trop bien, je suis tellement heureux. Franchement, je suis un petit peu étonné, hein. J'ai cru que t'allais choisir Léo MDR, mais ça fait trop plaisir que ça soit moi ton amoureux. On est officiellement ensemble. » Là, elle regarde à qui elle a envoyé le texto et elle se rend compte qu'elle s'est foirée. Elle fait « Oh merde, la débile ! Non, non, bah justement, le message n'était pas pour toi, mais pour Léo. Et j'ai fait une gaffe, j'ai pas appuyé sur le bon contact. » Oh, c'est terrible, c'est terrible. « Oh, je me sens trop conne, je suis tellement désolé. » Il fait « Hein ? Attends, vraiment ? Mais comment tu peux faire une erreur pareille, meuf ? C'est horrible de me faire des faux joies comme ça et de jouer avec mes sentiments. Ah, vas-y, je suis dégoûté. » Elle lui fait « Ah ouais, ouais, je sais, je me sens trop mal pour toi, mon Dieu. Oh putain, le pauvre garçon, quoi. Écoute, tu trouveras une autre fille bien qui te plaît, j'en suis sûr. M'en veux pas, je te promets que j'ai pas fait exprès. J'avais la tête ailleurs. » Elle lui, il va pas accepter ses excuses. Il fait « Mais ta gueule, c'est bon, tu m'as déprimé. J'ai montré ton SMS à tous mes potes en plus. En mode, j'ai enfin une copine et tout. Oh là là. Les gars, j'ai une nouvelle meuf. » Une minute après, « Oh non, désolé, c'était pas pour toi le message, mais pour ton pote. » Putain, oh, je me sens trop mal, frérot. Je suis désolé pour toi, mon gars. Bon, les potos, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai dit, c'est les pires épisodes quand ils envoient des SMS aux mauvaises personnes et ça crée des situations terribles. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Dites-moi également, les amis, dans l'espace commentaire, est-ce que vous êtes déjà fail, hein, vous avez fait une erreur en envoyant un texto, raconter des petites anecdotes. Et si tout va bien, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse les potos, ciao tout le monde, bye.